musique. Ah, nous servons un Dieu vivant. Nous disons les stériles enfants et les sourds entendent. Et Shadamazai, par sa puissance, oh Shadamazai, ça c'est entre toi et Dieu. Shadamazai, appelle-le encore. Tu dois même pousser plus loin dans ton parler en langue. Shadamazai, yelele. Shadamazai, yelele. Shadamazai, balaba ya satema ya kele. Retapaya so, retapaya baya. Ye karaba so temeya. Ye davara baya se. Retapaba ba. Shebaya. Ouvre les ailes.
plus, come on. Ouvre les écrits. Demande encore. Fais pleuvoir. Je sens le vent de ton esprit, je sens la pluie de ton amour, et le rythme du ciel nous laisse entendre. Je sens le vent de ton esprit, je sens la pluie de ton amour, et le rythme du ciel nous laisse entendre. Je dis faible. Ouvre les écluses. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses. Fongole langalola. Natombo ni maboko. Sale la la bika. Fungole la, fungole la galola. Natombo ni maboko. Sale la la bika. Mwana yo, naligi na mboko. Fungole la galola. Natombo ni maboko. Sale la gabika, mwana yo, na ligina mbona. Emae, fungole langalola. Emae. Emae, fungole la galola. Emae, sopele. Emae, emae, fungole la galola. Ouvre le ciel pour moi. Emae, sopele la mangebo. Emae. Yes. Sale la gabika.
Ungole langalola Na tomboli mapoko qu'on peut acclamer, se lever dans la présence de Dieu. Nous allons lire quelques textes ce matin. Et nous allons commencer notre message du jour. Lisez avec moi ces textes. Nous allons lire quelques textes ce matin. Genèse 17, versets 15 et 16. Genèse 17, 15 à 16. Genèse 17, 15 et 16. Est-ce que vous y êtes? Dieu dit à Abraham, je vais lire en français seulement, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Sarah, Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Je lis une autre version. Je la bénirai et je te donnerai sûrement un fils par elle. Je la bénirai afin qu'elle soit la mère des nations. Est-ce qu'on peut dire à une femme à côté, tu es la mère des nations? Et on dit, les rois des peuples sortiront de toi. Une autre version dit, les rois des peuples sortiront de ton ventre. Amen. Je lis un autre texte. Exode 2. Versets 1 et 2. Exode 2, versets 1 et 2, je vais lire. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Une autre version dit, une fille de la maison de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Lisons un dernier texte, il y en a beaucoup, mais je vais me limiter ici. Lisez avec moi dans Luc 11, verset 27. Luc 11, 27. Il est écrit ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein. Amen. Amen. Heureux le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Père, bénis ta parole ce matin. Je prie pour une onction de la délivrance qui va commencer par l'enseignement de la parole. Lorsque la parole sera prêchée, que la révélation de la parole affranchisse, que des femmes soient affranchies, que des hommes soient affranchis, que des destinées soient affranchies. Je libère le ministère des anges, pas n'importe quels anges, les anges guerriers, que des enfants soient délivrés, que des matrices soient délivrées et que des destinées soient relâchées. Je te donne toute la gloire et j'humilie Satan ici, lui ainsi que ses acolytes, au nom de Jésus Christ. En cette saison, j'enseigne sur la délivrance génétique.
Et je suis allé dans un couloir dans lequel j'ai voulu parler de la naissance ou des grossesses. Puisqu'en parlant des gènes, on parle de l'origine. Dimanche passé, j'ai parlé sur la spiritualité des matrices. Et ce matin, je vais prêcher sur un thème, sincèrement, un thème qui va bouleverser la francophonie. Un message qui va impacter votre destinée. Et je veux que vous puissiez écouter la parole. À la porte des cieux, nous prêchons. Nous enseignons. Et nous prophétisons. Nous louons. Nous adorons. Et nous servons le Seigneur. Je prêche sur les 8 types de matrices. Le mot matrice et utérus sont le même mot. Ce sont les mêmes mots mais interchangeables. Généralement, matrice est utilisée par tous. Mais utérus est souvent utilisé par les professionnels. Alors, que veut dire utérus ou bien matrice? C'est l'organe de la gestation. C'est là que l'embryon se développe. C'est un organe musculaire creux destiné à accueillir l'œuf fécondé. Et à l'expulser quand il est arrivé à maturité. Bref, la matrice ou l'utérus, c'est le lieu où la vie se développe. C'est vrai que par cas exceptionnel, certains se développent dans les trompes ou ailleurs, on appelle ça, je crois, extra-utérien. Mais basiquement, c'est là où la vie se développe. Lorsqu'une femme est enceinte, c'est de là que sont sortis tous les êtres humains qui ont pu peupler la terre jusqu'à ce jour. Donc avant que les hommes ne sortent des bâtiments qu'on appelle maternité, après que les enfants soient nés, il y a un lieu où a habité l'enfant durant 9 mois maximum dans un corps humain. Et ce lieu s'appelle la matrice. Dis avec moi la matrice. C'est de là que sont venus tous les hommes et les femmes. C'est de là que sont venus tous les jeunes et les vieux. C'est de là que sont sortis tous les riches et les pauvres. C'est de là que sont sortis tous les rois et les peuples, chrétiens et esclaves, croyants ou païens, tous les êtres humains de toutes les races et de toutes les langues ont commencé leur vie dans la matrice d'une femme. Napoléon Bonaparte a été dans une matrice. Napoléon Bonaparte a été dans une matrice. Albert Einstein a été dans une matrice. Albert Einstein pe a été dans une matrice. Abraham Lincoln a été dans une matrice. Abraham Lincoln pe a été dans une matrice. Margaret Thatcher a été dans une matrice. Margaret Thatcher pe a été dans une matrice. Nelson Mandela a été dans une matrice. Nelson Mandela a été dans une matrice. Thomas Sankara a été dans une matrice. Thomas Sankara a été dans une matrice. Patrice Emery Lumumba a été dans une matrice. Emery Patrice Lumumba a été dans une matrice. Simon Kimbangu a été dans une matrice. Simon Kimbangu a été dans une matrice. Et même Jésus-Christ, qui est venu sur terre et qui nous a sauvés,
a été porté dans une matrice jusqu'à son 9e mois. Dans Luc 11, verset 27, il est écrit: tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: heureux le sein qui t'a porté. Une autre version dit: heureuse la matrice qui t'a porté. Et heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Parce que Jésus même a été dans une matrice. Et dans la Bible, vous remarquerez que le mot utérus, combo utérus, ou le mot matrice, to combo matrice, est souvent exprimé par certains autres mots. Il y a par exemple le mot saint. Le saint. Le saint. Le ventre. Libumu. Ou même les entrailles. Dans Jean 3:4, Nicodème dit ceci. Nicodème a lobi boy. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Quand on parle de saint ici, on parle de matrice. Parce que c'est là où se trouve l'homme avant de naître. Luc 1, verset 15. Prophétie sur Jean le Baptiste: il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. La spiritualité d'un enfant peut commencer dès le sein de sa mère. Amen. Il n'a jamais prié. Il n'a jamais été baptisé de l'Esprit. Mais dans le sein là, il sera rempli de l'Esprit. Dès la matrice de sa mère. Dans la matrice, un enfant peut avoir la sorcellerie. Dans la matrice, un enfant peut être impacté par l'esprit. Je me rappelle d'Elisabeth. Lorsqu'elle a rencontré Marie, la Bible dit ceci. Luc 1, verset 45. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans sa matrice. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Lorsqu'on l'a salué, la voix est entrée. L'enfant a tressailli. Et l'esprit a rempli cette femme. Il y a beaucoup de choses spirituelles autour de l'enfant de la matrice, de la femme enceinte et des personnes qu'elle rencontre. Très important. Très important. Ezaya motuya. Très important. Ezaya motuya makas. Pourquoi? Pona nini? Parce que la matrice. Pwete libumwa mwa sito matrice. Est spirituellement l'aéroport des esprits. Ezali na kati na molimo bisika wapi milimo ekitaka. C'est l'aéroport des âmes. Tu as créé l'homme, il a créé la femme. Et la femme, j'aimerais vous le rassurer, est plus spirituelle que l'homme. Avance, prophète. La femme, moi si, est plus spirituelle que l'homme. Azana ki molimo makasi koleka mobali. Qu'est-ce que je veux dire? Na lingina lobani. La femme est beaucoup plus perméable et en fait, la femme est un passage des esprits. Moi si azali nzela wapi milimo ekoki koleka na bopete. Quand une chose spirituelle veut passer. Na tango makamba molimo lingele. De l'invisible au visible. Ko utana o ezali ko bomba na pena ko ezali ko bomba. Ça passe par une femme que par un homme. Ezali na bopete koleka pa na moi si na nzela moi si koleka nzela mobali. Le péché est spirituel. Lisumu ezali na molimo. Quand il a voulu entrer sous la terre. Na tango lingaki ko kota na mokili. Lucifer n'a pas vu Adam. Lucifer ya monaki Adamate. Mais il a vu Eve. Kasi ya monaki Ewa.
quand celui qui nous a sauvés du péché a voulu venir sur la terre, il n'est pas apparu comme Adam sans connaître la naissance. Non, il est passé par la matrice parce que la femme est un bon médium pour les esprits et notamment son ventre. Parce que son ventre est le lieu où l'âme entre, où l'esprit entre et vit durant 9 mois le sein d'une femme, la matrice d'une femme et l'aéroport des esprits. Quand papa connaît maman et qu'il y a conception, ovulation. Quand la vie se forme, le sang se crée. L'âme entre. L'esprit entre. Vit là pendant 9 mois. Jusqu'à la sortie. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur 8 types de matrices. Tous les hommes que vous voyez sur la terre, les êtres humains qui peuplent la terre, sont tous sortis des matrices. Mais ils ne sont pas sortis des mêmes types de matrices. Les types de matrices ont conditionné leur vie sur la terre. La qualité de la matrice a déterminé la destination de chacun sur la terre. Voilà pourquoi je prie ce matin que Dieu te donne une matrice spéciale. Alléluia. Écoutez bien le développement. Premier type de matrice. Les matrices royales. Les matrices royales sont les matrices qu'ont des femmes spéciales qui sont appelés et destinés à mettre au monde des rois, des gouverneurs ou des chefs des peuples. Il y a des familles sur la terre. Il y a des familles dans les Écritures. Quand vous lisez la vie de certaines femmes, toutes les femmes n'étaient pas pareilles. Il y a des femmes qui ont une grâce spéciale de mettre au monde des rois et des hommes de pouvoir. Genèse 17, il est écrit, je la bénirai. On parle de Sarah. Il dit, je la donnerai un fils. Elle deviendra la mère des nations, des rois et des chefs de peuple sortiront de sa matrice. Sarah, sœur d'Abraham, moi c'est Abraham, sœur d'Abraham, Deko Abraham, femme d'Abraham, moi c'est Abraham, avait une matrice royale. Azalaki na libumu ya kinkumu. De sa matrice sont sortis des rois. Uta libumu na mikonzi babima. Je prophétise pour toi ce matin. De ta matrice sont sortis des rois. Amen. Na libumu na yo ebi mabankonzi. Ou de ta matrice sortiront des rois. Eko bima bankonzi. Amen. D'Abraham est sorti Jacob. Isaac. Isaac est sorti Jacob. Jacob et de Jacob, est sorti plusieurs. Ils sont sortis plusieurs. Notamment Judas. Yuda. Et sur Judas, Nicolas Yuda, les hommes de Judas, Batia Yuda, les reins des hommes de Judas, Yuda, et les matrices des femmes de Judas, ben matrice to mabumu ya basi ya ba Yuda, était libéré une parole.
C'est de Judas que sortiront les rois. Amen. Donc que tu le veuilles ou pas. Olinga, tolinga, quand tu es un homme de Judas, Yuda, tu as des reins royaux. Quand tu es une femme de Judas, Ozali, moi, si aba, Yuda, tu as une matrice royale. Ozali, na, li, bou, je vois ce matin des femmes de Judas. Amen. Et Dieu me dit qu'il y a certains hommes ici qui vont épouser des femmes de Judas. Amen. Alléluia. Une matrice royale. J'étudiais hier avant de dormir la famille Bush. George Bush que vous connaissez. George Bush, la famille Bush est une famille américaine qui a donné les personnalités du monde et des affaires, dont un sénateur et deux présidents aux États-Unis. Ezali libota moko epesa bato na bozu pe na kati na politique sénateur moko pe ba konzimi balé ya Amérique mi balé. Même un gouverneur. Atako pe moko zengu. On dirait que les femmes de cette famille. Eliki kolobete basi ya libota wana. Les reines des hommes de cette famille. Pe maloketu ya mibali ya ba ya libota. Ne donne pas sur la terre et à l'humanité des hommes ordinaires. Epesa kana mokili mibali to bato ya pamba pamba. On ne sait pas expliquer. Toli tokoyeba te ko la sanga. Mais les enfants qui sortent de cette matrice finissent par avoir un parcours qui les amène à s'asseoir sur un trône. Ce n'est pas par rapport à la qualité des études ou à la qualité des connexions, à la qualité de, du parti politique, mais c'est par rapport à la qualité de la matrice. Je prophétise pour ton ventre, maman, tu reçois une matrice royale. Royale. Amen. Amen. I receive in Jesus' name. Viens avec moi, matrice royale. Matrice royale. Je vois en RDC. Nazali komona na RDC. Des familles qui vont produire des politiciens. Ma bota o eko bota ba politiciens. De génération en génération. Yes. Des politiciens de qualité. Yes. Des entrepreneurs de qualité. Yes. Amen. Je reçois. Amen. Les matrices royales sont combattues au Congo. La plupart des familles américaines où il y a des hommes de pouvoir riches, c'est la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, et ensuite la Bible déclare un homme de bien laisse comme héritage la possession aux enfants de ses enfants. Mais au Congo, c'est toujours deux générations. Come on. La famille Bemba, première, deuxième. Famille Bemba, troisième en gestation ou je ne sais pas. Yamisa tutozo yeba malam. La famille Ledia. La famille Ledia. La famille Katumbi. Libota Katumbi. Citez-moi des noms de familles. Oui, bisanga, que ce soit du Katanga. Que ce soit du Kasai. Même Kasai, du Congo central. Kongo ou de Kinshasa. Kinshasa. Il n'y a pas perpétuation. Il n'y a pas continuation. De l'héritage parental. Sur les petits enfants. Leurs pères ont été entrepreneurs à 32 ans. Les fils ont évolué à moins de 32 ans. Mais les petits-fils sont encore sur Internet. Les matrices royales sont combattues. Mais je vois le roi des rois. Alléluia. Venir à Kinshasa. Regarder des femmes. Libérer les matrices qui doivent produire les rois au Congo. Nous avons des faux députés. Des faux gouverneurs. Des faux ministres. Tu peux mentir à tout le monde. Mais la qualité de la matrice prouvera qui tu es à la fin. Jamais d'une matrice royale, mais il s'est fait roi et il crée le désordre dans le pays. Deuxième type de matrice. Les matrices sacerdotales. Un homme de la maison de Lévi. Épousa une femme. De la maison de Lévi.
Et ils ont eu 3 enfants. Connus. Le premier, Moïse. Mose. Le deuxième, Yamibale. Aaron. Arona. La troisième, Yamisatu, moi, si. Myriam. Myriam. Avance, prof. Ce n'est pas selon l'ordre d'arrivée. Myriam est la grande sœur, right? Nous avons Myriam. Nous avons Aaron. Aaron. Nous avons Moïse. Moïse était prophète de l'Éternel. Azalaki mosakoli nankolo. Aaron était prophète de Moïse. Azalaki mosakoli ya Mose. Mais aussi Kasi. Ancêtre na, azalaki pe koko. De tous les souverains sacrificateurs. Ya banganga nyonso ya minene. Lui devenant la matrice du sacerdoce. Ye akoma kinde libumu ya bonganga ya balewi. Et Myriam. Pe Myriam. Sorti de la même matrice. Abimaki kana libumwana. Amen. Amen. Cette maman là était spéciale. Maman na azalaki ya mon mesanoté. Quand elle est grosse. Na tango azui zemi. Attendez-vous à quelqu'un qui est dans la spiritualité. Bozela mwana moko na kati na molimo ndako bimana kati na bimi. Une femme sort. Moi c'est abimi. Elle entend Dieu. Ayoki nzambi. Elle joue aux instruments. Abandiko beta lindana. Elle a un tam-tam. Azo beta lindana. Elle compose des cantiques. Abandiko iko sala bazembo. Abandiko sako. Elle annonce des oracles. Abandiko loba makambo ekoya. La matrice. Libumu. Un Aaron amoko pe abota se connecte à son frère. Akangami nande konaye. Sa verge. Nzete na ye. Et la verge que Moïse utilise devant Pharaon. Alléluia. Yango nde nzete Mose abaliki ko sala liboso a Pharaon. Il opère des miracles avec Moïse. Azali ko sala bikamo elongo na Mose. Et Dieu l'appelle. Benza ba bengi. On le revêt de vêtements sacerdotaux. Alatisie bilaba. On met l'huile sur lui. Batie mafuta likolo na ye. Et devient souverain sacrificateur. Ben akomi nganga monene na Nzambe. Quand elle est encore enceinte. Moïse. Mose. Grand prophète. Ah, mosakoli monene. C'est ce qu'on appelle une matrice. Yango de bazo benga libumu ya bonganga. Il y a une famille que je connais à Kinshasa. Ezana libota moko nebi na Kinshasa. La famille Lessi. Ezalinde libota Lessi. Toute la famille Lessi que vous voyez. Libota nyonso ba Lessi boyebi. Nous quand on a commencé l'œuvre de Dieu. Natango biso tobani mosana nzambe. C'est comme ça qu'on les a connus. Biso ne toyeba bango bongo. Papa Charles Lessi. Papa Charles Lessi. Roger Lessi. Roger Lessi. Denis Lessi. Denis Lessi. Maman Rose Lessi. Maman Rose Lessi. De Man Caché. Oh, y'a Man Caché. Qui a produit beaucoup de serviteurs, beaucoup de serviteurs. De Dieu. Vous connaissez les enfants. Mais ils sont ceux qui sont devenus. Kasi baza o ba koma. Pas parce qu'ils ont aimé l'église. Depo de bango balinga ka eklesia. Pas parce qu'ils ont aimé le ministère. Depo bango balinga lotomo. Mais c'est la qualité de la Alléluia. Matrice. Alléluia. Kasi zani de lolenga libumu. On appelle ça une matrice sacerdotale. Ba benga kango nde libumu to matrice ya bonganga. Dans Esaïe, il est écrit. Na kati na Esaïe koma. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Bana na yo nyonso bakozala balandi sami na nkolo. J'aimerais parler aux femmes ici. Na lingi na lobela na tina na basi awa. Tu es peut-être d'une famille des sorciers. Une famille où il y a l'occultisme. Mais je vois dans ton ventre des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, de l'onction sacerdotale vient dans ton ventre et que tous tes enfants entrent dans leurs appels, entrent dans leurs onctions, entrent dans leurs ministères. Amen. Alléluia. Matrice. Libumu to matrice. Sacerdotale. Ya bonganga. Peut-être même aussi que Marie, mère de Jésus, avait une telle matrice. Tant mususu pe Marie ya mama na Yesu pe azalaki na libumu wana. Peut-être. Tant mususu. Certains disent que Marie était de la tribu de Judas. D'autres disent qu'elle était de la tribu de Lévi parce que sa parente c'était Élisabeth qui était femme d'un souverain sacrificateur. Mais il se peut qu'elle soit de Lévi. Il se peut que Marie, mère de Jésus, il se peut que Marie soit de la tribu de Lévi. Parce que sa parente était mariée à un homme qui brûlait le parfum. Après qu'elle ait mis au monde le premier-né, il s'appelait Jésus. Elle a mis au monde un homme qui s'appelait Jacques. Vous allez voir ça dans Matthieu, Marc chapitre 6.
Vous allez voir ça dans Marc 6. Alléluia. Elle a mis au monde Jacques. Abota Yakobo. Qui a écrit l'épître au Jacques. Oyende akomaka la kiso o epa ba Yakobo. Elle a mis au monde Jude. Abota Jude. Qui était prophète. O azaki mosakoli. Acte 15 verset 32. Acte 15 32. Jude et Silas qui étaient tous les deux prophètes. Jude na Silas bangomi bale bazala ki basakoli. Ah Jésus. Kolti ka Yesu. Qui a sauvé le monde. O yabiki sa mokili. Marie a mis au monde un apôtre. Maria abota kintoma. Qui a expliqué la foi et les œuvres. O azaki kotali sa misala pe kondima. Alléluia. Marie a mis au monde Jude. Abotaki Jude. Qui a expliqué les choses concernant Enoch. O azaki kolaki sa makambo azaki kotali sa Enoch. Les gloires. Kembo. Le retour du Christ. Bozongi sa minakolo. Et le mystère de l'évangile. Pe ma bomba miel sangomala. Marie n'était pas une femme ordinaire. Maria azaki mwasi ya momesanote. Et vous savez quoi? Pe boyebi nini? Vous savez quoi? Boyebi nini? Vous savez quoi? Boyebi nini? Jésus est venu dans Marie deux fois. Yesu aya e pa Maria balami balé. Come on. Come on. Marie a porté Jésus deux fois. Marie aye a mema ye sumbalami balé. Avance prophète. Dans Luc 1. Na katia Luca 1. Elle a été enceinte. Azaki Jésus était en elle. Yesu azaki na katia. Elle était remplie de l'esprit. Pe atondi samaki na moli. Quand Jésus est mort. Na tango Yesu akufi. Elle a vu Jésus à la croix. Avona ki Yesu na libu. Et Jésus pe Yesu a dit à Jean. A ebisi yo. Prends soin de ma mère. Yo toi ta garde la bien. Parce que bientôt je vais revenir en elle. Le jour de la Pentecôte. Mokole à Pentecôte. Marie était là aussi. Marie a pèsé la kiwana. Marie était là. Marie a pèsé la kiwana. Pendant qu'il priait. Jésus a dit. Yes, alobi. Je m'en irai. Nakokende. Mais je vous enverrai. Celui qui viendra en mon nom. Oh, yakoya na kombo na Celui qui manifeste ma présence. Sur la terre. Marie. Maria. A reçu l'esprit. Ayamba ki moli. Marie a shikara baba. Marie a loba ki na monopasika. Elle est maman catholique. Maman catholique va aller côté colombana côté na le côté asika. Maman catholique. Maman catholique. Marie a aussi prié en langue. Marie a prié à l'obaki à bondela na mono kwasika. Alléluia. Elle a reçu l'esprit. Ayamba ki molimo. Elle a reçu Jésus. Ayamba ki Yesu. En elle. Na kati na ye. The level. Alléluia. Viens avec moi matrice. Lobe longo nanga matrice. Je sais pas. Nazoye bate. Mais je sens qu'il y a des femmes ici. Kasi nazoyo ka eza na basi awa. Tous tes enfants vont servir Dieu. Bana na yo nyoso bakosale la nzambe. Amen. Et si tu as cette matrice là, même quand les enfants loin font n'importe quoi, va en retraite. Si tu n'as pas la photo, il y a un point de contact plus que la photo. Si tu as ton ventre, je prie pour Thomas, je prie pour sa fille, je prie pour Patrick. Quand tu pries pour ton saint, tu les connectes à ta prière. Amen. Même s'ils vont loin de Dieu, cette année, ils vont finir par revenir vers Dieu. Amen. Ils vont servir Dieu. Nous finissons par devenir à l'image de la matrice qui nous a porté. L'homme finit par ressembler à la matrice qu'il a portée. Troisièmement, les matrices réservées. Genèse 16, verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Vers ma servante. Abraham n'était pas stérile. Abraham, c'est Sarai qui était stérile. Et elle-même savait. C'est l'Éternel.
qui a bloqué ma matrice. Akanga libumunae. Quelqu'un m'entend? Mutazo yokanga. Est-ce que vous m'entendez? Boni bozo yokanga malam. J'aimerais dire aux femmes ici. Na lingi na ebisa na basi awa. Toute stérilité n'est pas une stérilité diabolique. Ki engomba nyoso ezali ki engomba ya kote pa satana te. Toute stérilité. Kozanga komota nyoso. N'est pas une stérilité sorcellerie. E utaka kaka na kindoki te. Tu n'es pas stérile. Oza egombate. Tu n'as pas une stérilité. Tu es seulement réservé. Ayo ozangi kobota te kasi nzambe atie okaka pembeni. Ta matrice est semblable à la naisse qui était liée. Ah, libumuna yo yango ezali lokola elilingi ya punda bakanga. Avant que Jésus n'entre à Jérusalem. Yambo ete yeso akota na Yerusalem. Tout le monde était sur un cheval. Mutunyo sazaki likolo ya punda. Sur un anon. Likolo ya punda. Sur une ânesse. Likolo ya punda mwasi. Sur un chameau. Likolo ya chameau. Et Jésus a dit. Paye salobi. Allez me prendre celui-là. Boke nozelanga oana. Sur lequel personne n'est monté. Oyo nanu likolo nango mutu amatate. Peut-être l'anon ou l'ânesse si vous voulez disait. Pourquoi moi on ne monte pas sur moi? Pourquoi moi je n'ai pas d'utilité? Pourquoi moi je n'apporte pas la productivité? Pourquoi moi suis-je le synonyme de la stérilité? Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas oublié. Tu es seulement réservé. Parce que l'enfant que tu vas porter, celui qui montera sur toi. J'ai parlé à une matrice ici qui n'a jamais porté des enfants. Laisse-les rire. Laisse Penina avoir des enfants. Laisse Penina se moquer de toi. Les enfants de Penina, on les a jamais connus. Parce que celui qui montera sur ton utérus, il est le père des rois. C'est Samuel, Samuel qui a oint Saül. C'est Samuel, Samuel qui a oint David. Il est le père des rois. Donc Anne, Anna, tu ne mets pas au monde Samuel. Samuel David est dans ton sein. David azali na kati na libumunayo. Saül est dans ton sein. Azali na kati na libumunayo. Ta matrice n'est pas oubliée. Libumunayo ba bosani yango te. Ta matrice est réservée. Kasi azali se akobate la main. Sarah. Sarah, mère d'Isaac. Mama ya Isaka. Anne. Anna, mère de Samuel. Mama ya Samuel. Samson. La mère Samson. De Samson. La mère de Samson. Qui a donné Samson? Qui a donné au monde Samson? Elisabeth. Elisabeth. Mère de Jean. Mama ya Yohana. Qui fut appelé le Baptiste. Oh ya benga maki mo Baptiste. Avec toutes des matrices réservées. J'aimerais encourager une femme, même si cela a pris 5 ans, 10 ans, n'aie pas peur. Peut-être que toi tu n'auras que 2 enfants, mais les 2 enfants que tu auras auront plus d'impact sur la terre que les 7 enfants de ta soeur. J'ai avec moi matrice réservée. Matrice réservée. Quatrièmement, il y a ce que j'appelle les matrices maudites. Dis avec moi, matrice maudite. Matrice maudite. C'est les matrices généralement. Des femmes. Yabasi. Qui ont subi des actes moraux, des actes moraux ou bien des actes sexuels qui les ont exposés à la malédiction et ont maudit leur matrice. Ezali basi o mingi mingi bakutana ki na kati na nzela nango ya kokutana na batu basala ki to makambo salamaki e fungola ki nzela na bilakeli mabe pona ba tinda na bango. Une femme qui maudit sa mère. Mwasi mwana o ezali kolakela mama na mabe. Une femme qui maudit son père. Mwasi o ezali kolakela tata na ye mabe. Et sous la malédiction. Ye azana se abilakeli mabe. Son ADN est sous la malédiction. ADN ezana se abilakeli mabe. Sang est sous la malédiction. Même sa matrice est sous la malédiction. Parce que Dieu punira jusqu'à la quatrième génération. Et la génération passe par quoi? Passe par les reins de l'homme et par la matrice de la femme. Une femme maudite
Papa t'a maudit. Papa laquelle on m'abé. Maman t'a maudit. Maman laquelle on m'abé. C'est une malédiction. Bilakeli m'abé wana. Tu verras ça sur tes enfants. Okomo na ngoli kolwa bana na yo. Par le canal. Nanzela. De ta matrice. Yali bumu na yo. Qui est maudite. Oh ezaya kolakela mamabe. Femme qui vit dans l'inceste. Moi si azali kobika na kati na kosakiza nzoto na bandeko na ye. Les cousins sont faits pour les cousines. Ah, bande quoi mobile, bas salama pour na bande quoi bas si bas nakasi na bas. Les demi-frères et les demi-sœurs. Ah, moi na ya papa, oh na moi na mama, oh basangi sinzoto. Les oncles et les nièces. Ah, bas noko na bas nakasi. Les pères et les filles. Bas tata na bas na bango ya basi. Les mamans et les fils. Bas maman na bas na bango ya mibali. Les mamans et les fils de leur mari. Beba mama na bana mibali ya mibali na bango. Donc tu es une maman. Oza mama. Ton enfant a eu des enfants. Mobali na zwa ki bana. Et tu sors avec ce fils là. Pe ozali ko bima na bana wana. Tous ces mélanges là. Nyonso ezali ko sangisa nzoto wana nyonso. La matrice. Ezali ko lakela mabeli bumu. Regarde ta vie aujourd'hui. Tala bo mono lelo. Il y a beaucoup de choses qui n'évoluent pas. Eza na makambo belezo ke libo sote. Quand tu regardes tes enfants. Natango zo tala bana. Qu'est-ce qui ne va pas? Obinini nde ezali ko leka awo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta matrice? Nini nde leka na kati na libumu na yo. Parce que n'oubliez pas. Pote bobo sanate. Est-ce que je peux dire ça? Nakoki olobango avance prophète. Il y a quatre voies qui mènent au ventre d'une femme. Ezali na banzela mine e memaka na kati na libumu wa mwasi. Quatre voix. Banzela mine. Première voix. Yaliboso. La bouche. Munoko. Ce qu'une femme boit. Oh moi si azali komela. Ou mange. Oh azali kolia. Impacte son sein. Yango esimba kapeli bumuna. Que ce soit médical ou naturel. Ezala tana nzela ya kidokotolo to nzela mokili. Atana molimo. Ça impacte. Ezali kosimba. Quelqu'un m'entend? Mutazo yokanga. Deuxième voix. Yami balé. Les oreilles. Matoi. Je vous dis la vérité. Nazolo babo solo. C'est quand elle a entendu la salutation. Natango ya yoka kimbote. Que l'enfant a bougé. Nde mwana aningana ki. Ce que tu entends pendant la grossesse détermine la spiritualité de l'enfant. Alléluia. Ozali koyoka na katango azemu yango pe ezali kolandisa ma kimolimo ya mwana. Un enfant qui entend trop du bruit. Mwana o ya yoka kama kelele bele. Des insultes. Ko fingama. Des mépris. Des mauvaises paroles. Maloba mabe. Ce n'est pas que psychologique. Ezali kaka ko uta na kati ya mutute. Même spirituel. Atana molimo. Ça impacte. Ezali ko simba mwana. Quantième voix. Deuxième voix. Troisième voix. Troisième. Est-ce que je dois dire? Boni na koki ko loba. J'avance quand même. Nazo avance. Troisième voix. Ya misato. Le nombril. O ezali ba bazo benga motolu. Il y a des femmes qu'on doit délivrer, on doit délivrer leur nombril. Parce que le nombril est un lieu très spirituel. C'est là que tu as été connecté avec ton enfant. La vie que tu avais passée ici. Dans ce qu'on appelle le cordon ombilical. Ya motolu. Ça c'est notre message de délivrance. L'avant-dernière voix. C'est la voix basse. La dernière voix. Ya suka. C'est la voix arrière. Ezali nzela ya sima. Toutes ces voix là. Banzela nyonso wana. Emmène dans ta matrice. Ezali komema na kati na libumu na yo. On peut avoir maudit ta matrice. Bako ki kozala balakela libumu no mabe. Par un rapport sexuel. Nanzela bokuta ni sinzoto. Et vous devez savoir. Pesengeli boyeba. Une famille comme la famille des Moabites. Libota lokola libota ba Moabites. Est venue de Moab. Et où t'es pas Moab. De Lot qui a eu un enfant avec sa fille. Lot o abota na mwana na ya mwasi. Donc toute une famille que l'on connaît en Israël, les Moabites, c'est une famille maudite. Parce que l'homme a couché avec une fille de la maison. On l'a appelé Moab et elle a été maudite. Combien des enfants sont maudits aujourd'hui? À l'école, ils donnent des maux de tête aux professeurs. Ils donnent des maux de tête aux parents. Mais ce sont des enfants que ton mari a eu avec ta petite sœur. Il y a tellement de choses qui se passent. Et la matrice est maudite. Quand cette femme pleure, quand cet homme pleure, même le monde spirituel, quelque chose abîme ta matrice. Et les enfants que tu portes sont
impactés par l'esprit qui prédomine sur ta matrice. Heureusement, même là où il y a la malédiction, Dieu peut amener la bénédiction. Amen. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une femme qui s'appelait Ruth. Avance, prophète. La Moabite. Azala qui paye l'ibota ba Moab. Sorti d'une matrice maudite. Aouta qui na katina libumo et laquelle mama be. A rencontré une femme. Akuta na kipe na moi simo. Qui s'appelait Naomi. Kombo nezaki Naomi. Hallelujah. Et elle a dit à cette femme. Pe aloba ki na moi siwana. Notre Dieu. Zambe na biso. Nous a maudit. Notre peuple est un peuple maudit. Aujourd'hui, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi a dit, cette femme est incroyable. Et quand Ruth a rencontré Boaz et qu'ils eurent des enfants, même avec une matrice maudite, connexion avec un homme béni, la bénédiction annule la malédiction. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Pourquoi Balaam n'a pas pu maudire Israël? Parce que la bénédiction est plus puissante que la malédiction. Alléluia. Pourquoi, malgré la malédiction de la famille d'Abraham, Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti, ses fils ont menti. Abraham était ceci, Isaac était ceci. Pourquoi ça ne les a pas appauvris? Ponanini atako bilakeli mabe alibota Balaam akosa Isaac akosa Jacob akosa Sarah stérile, Rebecca problème d'avoir des enfants, Sarah, Jacob aussi pareil, Léa et Rachel. Léa na Rachel bango malgré ça, atako makambunyo swana bango bazalaki kaka kopambwama misolobozu. Les liens de famille d'Abraham. Singa alibota Balaam. Malgré ça, ils sont riches. Atako wana bango bazana bozu. Bénédiction annule la malédiction. Et quand elle a reçu une semence d'un rein béni qui est entrée dans sa matrice maudite, elle est devenue l'ancêtre de celle qui a porté Jésus-Christ. Alléluia. Je décrète et déclare. Peu importe la qualité de ta matrice. Ta mère est maudite. Ta grand-mère est maudite. Dieu peut te donner un homme. Amen. Qui a des reins comme Abraham. Et la semence de la bénédiction va changer la malédiction. Bénédiction. Yes. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Cinquième type. Les matrices vendues ou sacrifiées. Souvent, c'est une pratique que les hommes font. On vous dira, il y a un homme qui a vendu son dos. N'est-ce pas? Yes. Il a vendu ses enfants. Ateka bana na ye. Soit tous les enfants. Tamusu bana nyoso. Soit il n'aura qu'un seul enfant. Tamusu akozwa ka mwana moko. Parce que les âmes de ses autres enfants ont été donnés comme un paiement. En contrepartie d'un pouvoir spirituel qui lui donne des avantages matériels. C'est souvent les hommes qui font ça. Il y a des femmes qui font ça aussi. C'est celles qui sont dans les rites initiatiques. Il y a des femmes qui vendent leurs enfants. Toi, tu l'épouses, tu penses qu'elle est là et qu'elle n'a qu'un enfant et que tu pries, tu n'as qu'un enfant, mais tu ne sais pas. Elle a vendu sa capacité à en avoir après avoir eu un. Donc, le seul qu'elle a eu là, juste après ça, on a fait un cerclage. Comment on appelle ça? Quand les femmes bloquent leur ventre. La ligature. La ligature. Je
Ligature. Oui, la ligature. Donc une ligature spirituelle. Asala ligature to akanga mabota nena kati na molimo. Il y a des femmes sorcières qui n'auront jamais d'enfants. Ezana basi akindoki ona bakozwa kabana te. Il y a des femmes prêtresses qui n'auront jamais d'enfants. Ezali na basi banganga bakozwa kabana te. Il y a des prêtresses de l'occultisme. Ezali na banganga ya kimolimo ya. Elle n'aura pas d'enfant. Akozwa bana te. Soit un enfant. Akoki kozwa ta mususuka moko esili. Et c'est fini. Esili. Elle a sacrifié les autres. Elle a vendu sa matrice. Un enfant. Moi si. Moi namoko. De Rois 6, verset 25 à 30. De Rois 6, 25 à 30. On parle des femmes qui ont décidé de manger leurs enfants. Certes, ces enfants-là avaient grandi. Mais la culture continue. Il y a des femmes pour survivre dans le succès. Pour survivre en tant que la meilleure danseuse de l'orchestre. Pour survivre en étant la femme du chef que le chef va toujours aimer. Pour survivre en tant que la troisième femme d'un président de la République. On va lui demander un prix suprême. Donne-nous tes enfants. Et tu resteras sa femme. Donne-nous les enfants. Et tu resteras sa concubine. Donne-nous les enfants. Et tu resteras la danseuse préférée de votre patron. Combien de femmes cherchent des enfants dans les églises, mais elles ont déjà vendu leurs enfants dans le monde spirituel. Peu importe les spermes qui entrent en elles, elles ne peuvent pas féconder. Parce que sa fécondité. Et utiliser pour la spiritualité. Si vous êtes là où vous me suivez, c'est le temps de chercher la délivrance. Sixième type de matrice. Sixième type de matrice. Ce sont les matrices des passages spirituels. Acclamez bien, je vais commencer. Ce sont les matrices. Des passages spirituels. Vous devez déjà savoir le ventre d'une femme qui est le seul lieu au monde par lequel transitent les esprits avant d'être les habitants de la terre. Ce qu'on appelle un ventre, utérus, matrice, entrailles, ou sein maternel. Ce lieu est un lieu extrêmement spirituel qui sert basiquement de passage entre un esprit qui vient du monde spirituel, il transite par là, il passe par le ventre et il sort comme un bébé. Parce que la matrice d'une femme est un lieu de passage spirituel potentiel. Bisika owapi ezali nzela molimo ekouta likolo to na mokila molimo eleki na libumwa mwasi yambo ete aya na mokili pwete libumwa mwasi yango ezali nde nzela to balabala owapi molimo to bato bazali koya na mokili bazali kolekela. Est-ce qu'une sœur? Ma fille vient. Mananga mwasi. Ce n'est pas le cas pour toi. Ezali ponayote kasiaka. C'est pas une prophétie hein. Ezali lisakolite. Dadi abengika ponanine parce que dadi amona ki amone lorote. Pourquoi est-ce que papa l'appelle? Parce que seulement papa a vu. Non, je n'ai rien vu. Elle est de ma famille en plus, donc il y a pas de problème. Azali botananga donc kokoso ezate. Vous avez des enfants? Ozana bana. Encore? OK. Na noté. Ça devient prophétique. Ah oui, comme siko ya bisakoli. Amen. Avant que tu quittes ici, on te donnera un bébé que tu vas. Alléluia. Yambo ete obima aba kopesa mwana okomemae. Ce que tu as cherché des années, tu vas l'avoir ici. Oyo luka ki bambula bambula okozwango awa. Et ce dimanche est ton dimanche. Pe dimanche o ezaya yo. Amen. Dis amen fort. Amen. Donc, par exemple, regardez l'assemblée. Ndakisa? Par exemple, la femme elle est là. Ndakisa mwa siaza awa. C'est sa matrice. Oza ndeli bumuna e. Permet de porter un enfant. Yango ndezo pesa enzela akomema ba. L'enfant est d'abord esprit. Mwana zana no molimo. Et molema, dans le corps, à côté dans zoto, 9 mois, et il sort comme un bébé. Abimi loko la moine. Parce que la matrice, c'est le lieu de passage des esprits. C'est le lieu où les esprits portent un corps physique. Ici kawa pimeli mo ezwaka nzoto. Pour être légal sur la terre. Pour bango bazwa nzela na mokili. Donc c'est un lieu de passage. Ezali nde nzela. C'est là.
que l'homme entre officiellement sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc potentiellement le ventre de toute femme est un passage. Donc c'est un lieu spirituel. Mais dans le monde spirituel, par le ventre, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire ce qu'on appelle le commerce spirituel. Les récupérations spirituelles. Les trafics spirituels. Les transferts spirituels. Peuvent se faire dans le ventre d'une femme. Je vous explique. Quelqu'un qui est dans les spiritualités. Surtout les magiciens. Les occultistes. Les serviteurs de l'ennemi. Généralement, il y a une pratique qu'ils font d'habitude. Il va venir. Il va coucher avec toi. Une fois ou plus. Il est toujours avec toi. Ou bien même il te laisse. Généralement, il te laisse. Mais là où tu es, il met quelque chose en toi. Spirituel. Matrice de. De passage. Qui est béni par ce message? Matrice de quoi? Passage. De passage. L'araba sauva. Hallelujah. Bon. Et je disais ici que le ventre est un lieu de passage spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un lieu de passage. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va coucher avec toi et il va déposer quelque chose. Il peut encore continuer avec toi et très souvent il part. Mais il a laissé quelque chose en toi. J'explique. Une femme à l'époque s'était mariée. Après un passage, un passé lourd qu'elle avait eu, elle est sortie avec un grand musicien de la RDC. Avec ses copines, elles sont allées au concert. Une de ses amies a présenté aux musiciens. Et comme pour certaines, c'est une gloire de coucher avec un musicien, elle l'a fait. Elle a couché avec cet homme. Mais l'homme travaille avec les sirènes. Il a déposé quelque chose dans son utérus. Elle est partie. Le musicien aussi est parti. Ce n'était qu'un souvenir. D'avoir été avec un homme célèbre. Il n'y a aucune gloire d'avoir été avec un homme célèbre qui sert l'ennemi. La femme se convertit. Elle donne sa vie à Jésus. Elle se marie. On bénit le mariage. Après qu'on ait eu à décourager un peu le fiancé pour dire elle avait un passé lourd, il a dit non, je l'aime et il l'épouse. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, l'homme est mort. L'homme est mort. Jeune femme, 6 mois de mariage, veuve. Après 6 mois, libala, yé atikali monsemba. On pleure. Leli, on fait le deuil. Et Dieu fait grâce. Comme c'était une belle femme. Azaki moi si kitoko. Quelqu'un qui naviguait dans les entourages a dit je l'épouse. Mutumoko azaki kakovanda zinga zinga lobinga na kobala. On dit à l'homme. Baebi si mobali. Son mari vient de mourir. Mobali na uti kokufa. Et elle avait un passé chargé. Azalaki na ma. L'homme épouse la femme. Comme on dit, certaines ont la chance du mariage. Elle se marie. Premier mois. Deuxième mois. Troisième mois. Quatrième mois. Cinquième mois. Sixième mois. L'homme est mort. Donc deux fois veuve. Là, ça commence à inquiéter. Elle a commencé à entrer dans les prières. Jusqu'après 2 ans, 3 ans. Un homme de Dieu l'a vue.
Et il dit, je vais pousser cette femme. Les gens même du quartier, même de l'église, on dit, papa, pardon. Tu es un homme de Dieu. Tu as la paix de Dieu. Cette femme est le cimetière des maris. Son mariage a une durée limitée de 6 mois. Donc si tu l'épouses, tu vas mourir. L'homme de Dieu a dit non. Dieu m'a dit, cette femme est ma femme. Papa, oui, Dieu parle. Nous savons que Dieu parle. Mais malgré la révélation, il faut s'y réfléchir. Tu vas mourir pour rien. Et l'homme a épousé la femme. Il n'y avait même pas beaucoup de gens en mariage. La famille de l'homme était contre. Et le jour de la nuit des noces, car l'homme c'était un homme de point de prière, avant qu'il puisse connaître sa femme, les intercesseurs avaient déjà dormi dans la suite où il devait avoir la nuit de noces. Et dans la prophétie, Dieu avait dit, il devait avoir une machette. Machette sous le lit. Donc la femme croyait qu'elle épousait seulement un serviteur de Dieu, alors qu'elle épousait un homme de spiritualité. Que Dieu t'ouvre les yeux avant le mariage. L'homme de Dieu est parti avec la femme. Oh, bisous, bisous. Avant de retirer les vêtements, il a dit, chérie, on va prier. Elle m'a dit, hey, il est spirituel cet homme. Il a dit, mets-toi à genoux. Fukama. Un moment, il faut reboter la moisi na autorité. Par moment, il faut prendre l'autorité. Même ton mari, il faut reboter le. Mets-toi à genoux. Tu dois prendre autorité sur lui. Elle s'est mise à genoux. Fukama. Dit dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il a dit, esprit de Python. Esprit molimoyo capiton. La femme a été projetée. Moi, a elle a commencé à rouler à terre. Elle s'est cognée contre le mur. Les jambes écartées. Un serpent. Un serpent. Et sortir de ses jambes. Un serpent vivant. Et sorti de son corps. Dans la chambre à côté. Les intercesseurs priaient. Papa, il a. Papa Zalakiwana. Il a soulevé le lit. Il a pris Tramontina. Le temps est arrivé. Même dans le mariage, il faut la révélation. Il a pris Tramontina. Il a ciblé le serpent. Et il a coupé la tête. Alléluia. Akati yemutu. Il a porté sa femme. Il a lavé sa femme. Il a connu sa femme. 9 mois après, elle a eu un enfant. 6 mois après, personne n'est mort. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un couple qui sert Dieu. Acclamez très fort pour Jésus. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était l'histoire du musicien qui avait couché avec elle. Qui couche avec toi? Qui a couché avec toi? Il est ambassadeur. Il est ministre. Il est frère du président. Kinshasa est baby. Kinshasa est pourri. Kin. La ville de Kinshasa est béba. Est détruite. Mais baby lissus. Beaucoup d'hommes que vous voyez. Avec un peu de voiture. Un peu de maison. Un peu d'avantage. Un peu d'accès. Beaucoup de visas.
Beaucoup de photos avec le chef, avec le ceci, avec le tel, à Dubaï. Tous ceux qui brillent n'est pas de l'or. Il y a beaucoup de femmes. On a déposé des serpents dans leur ventre. Qu'est-ce qui se passait? Quand les hommes mouraient, leur sang coulait. Ça propulsait les albums, les singles et les chansons de ce musicien. Combien de ministres ont été nommés derrière la mort de certaines personnes à cause des femmes avec qui ils sont couchés? Combien des immeubles de 20 étages sont construits dans le boulevard du 30 juin ici? Derrière le ventre des femmes. Oh, moi je suis à l'UPC. UPC, merci. Il y a une belle voiture qui t'attend toujours dehors. Et tu penses que c'est la gloire. Tu couches avec cet homme. Il te donne un petit 2000. Des fois même un 200. Un 50. Mais ce que lui récupère fait qu'il a construit des immeubles. Il a des maisons. Et il a la promotion. Parce que le ventre est devenu un lieu de passage. Un lieu de récupération. Qu'est-ce qu'on ne récupère pas par ton ventre? On peut récupérer la force d'un homme. On peut récupérer l'énergie d'un homme. On peut récupérer l'onction d'un homme. Par le passage. Est-ce que les hommes sont là? Voilà pourquoi dans Proverbe il est écrit. Je vais clôturer ici. Dans Proverbe il est écrit. Viens avec moi, matrice de passage. Matrice de passage. Dans Proverbe il est écrit ceci. Proverbe 5, verset 8 à 11. Proverbe 5, 8 à 11. La Bible déclare. Quelqu'un peut lire pour nous. Proverbe 5. Proverbe 5. 8 à 11. 8 à 11. Proverbe 5, 8 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ouais. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Hein? Et de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Hein? De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Ça c'est dangereux. Lève-toi mon fils. Ah, tu es debout. Excuse-moi, j'ai pas les lunettes. De peur que lis à haute voix. Suivez bien. On interdit à un homme d'aller chez une femme. D'entrer dans sa maison. Et de coucher avec elle. Alors, regarde pourquoi on l'interdit. Le verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ah, attends. Donc tu vas avec une femme. Yo, ok, na moi si. Tu libères ta vigueur. Yo, osaline kope saboka si na yo. Mais la Bible dit. Kasi Bible zali kolo. Ce n'est pas sur elle que tu manifestes ta vigueur. Osaline likolo na ete zali kola ki saboka si na yo. Mais tu livres ta vigueur à d'autres. Kasi osaline kope saboka si na yo pa ba musu. Derrière la femme avec qui tu es. Kasi ma moi si osana ye. Est-ce que tu connais les autres qui sont derrière? Boni oyembi ba misu so bazana simana ye. Avance prophète. Donc toi tu manifestes ta force sur une femme. Yo ozali kola ki sampifono likolo moi. Alors que c'est d'autres hommes. Kasinzo kande mi pali. Qui récupèrent ta force. Bazali ko penda bokasi na yo. Et on dit tes années quoi? Et des années à un homme cruel. Oh! Pe ko pesa bambula na. Derrière certaines femmes, il y a des hommes cruels. Nasima basi mususu ezali na mabe. Derrière certains hommes, il y a des femmes cruelles. Ma père mi pali mususu ezali na basi mabe. Elle peut sourire. Elle peut rire. Elle peut être sexy. Mais derrière elle, il y a un homme cruel. Derrière lui, il y a une femme cruelle. Donc toi, tu couches avec
une femme, derrière elle, il y a des hommes qui prennent ta vigueur. Derrière elle, il y a un homme cruel. Pourquoi? Parce que cette femme a une matrice, passage. On prend ta vigueur. On peut même prendre tes années. Continue. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Écoutez, le mot vigueur veut dire ceci. En hébreu, c'est le mot dignité. C'est le mot splendeur. Majesté. Beauté royale. Combien de rois ont fini leur vie comme des esclaves parce qu'ils ont couché avec des femmes et ont livré leur vigueur? De peur que tes étrangers ne se rassasient de ton bien. Le mot bien, c'est le mot hébreu qui veut dire force, pouvoir, puissance, force surhumaine, force angélique, pouvoir. Donc toi tu vois la maison d'une femme. Tu entres dans sa maison. Mais ton pouvoir spirituel, ta force spirituelle, le pouvoir angélique, la royauté, ton étoile peut aller chez les étrangers. Parce que tu pars avec cette femme. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ici. Derrière la sexualité, il y a la spiritualité. Il y a beaucoup de femmes à Kinshasa qui couchent avec n'importe qui et n'importe comment. Mais ne savent pas qu'il y a des hommes cruels au Congo. Il y a des femmes cruelles. Derrière certains hommes, il y a des hommes cruels. Derrière certaines femmes. Une fois, il y a une femme que j'avais aimée à l'époque. 2011-2012. Je sors avec la femme. Et elle retourne chez son ex. Ça crée un problème sérieux. Ça me crée des problèmes. On était ensemble. L'homme est parti. Mais tu ne comprendras pas, il y a des hommes, quand ils reviennent dans la vie de certaines femmes, ils ont comme l'autorité sur ces femmes-là. Elle peut même être ici à l'église. Mais quand elle entend la voix de cet homme au téléphone, cet homme, les hommes comme ça, des fois, ils mettent des antennes dans les corps de ces femmes. Quand on se sépare, un homme qui était proche du président Kabila à l'époque, il habitait des mois à l'hôtel Pullman. Il m'appelle. Il me dit, pasteur, j'ai appris que tu aimais cette femme, tu voulais l'épouser. Je connais même l'homme avec qui elle est. Il dit, papa, oui, papa, tu es un serviteur de Dieu. Et délivrance pour nayo. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Et il dit, Kinshasa, il y a plusieurs hommes dans la vie de Kinshasa qui ont pris des fétiches. Ils ont mis des choses dans le corps de ces femmes-là. Et à chaque fois, il récupère ces femmes-là comme bon le sang. Prophète, continue ta route. Dieu te donnera en son temps. Appelle ça raté. Appelle si. Et Dieu ne donne pas, il a déjà donné.
Ça, c'est, écoutez le plus important. Il a commencé à m'expliquer comment l'occultisme fonctionne. Il dit des fois, toi, tu penses que tu es blessé, mais Dieu t'a épargné. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'on avait déposé en toi, des fois, c'est même pas par le sexe. C'est quelque chose que tu as mangé. C'est quelque chose que tu as bu. C'est quelque chose que tu as porté. C'est un endroit où tu es allé. C'est un liquide avec lequel tu t'es lavé. Ça a mis quelque chose en toi qui a fait de ta matrice un lieu de passage. À partir d'aujourd'hui, nous brûlons cela par le feu. Nous brûlons cela par le feu. Jésus n'a qu'un Alléluia. Jesus. Regarde tous les hommes à côté de vous. Dites, tous les hommes, dites aux hommes, gardez votre vigueur. Dites encore, gardez votre vigueur. Je vais terminer. Septième type de matrice. Les matrices malades et attaquées. Entre 50 à 80% des femmes ont des problèmes de dysménorrhée, des règles douloureuses. Entre 50 à 80% des problèmes na tango ya ba période na bango libumu pasi. Et quand les femmes ont ces problèmes-là, les médecins disent généralement c'est un problème lié à la matrice, à l'utérus, contraction de l'utérus. Na tango mingi basi bazali kokuta na ba pasi wana na tango ya période minga ngaba lobaka ezali likambo ezali kolanisa na matrice na yo ba contraction. Voilà pourquoi nous devons prier. Femme, quand tu pries, il faut prier pour ton ventre. La plupart des maladies que les femmes ont sont liées à cette dimension gynécologique de leur personne. L'Occident est pourri. Les grandes usines pharmaceutiques, les grandes structures médicales ont infiltré beaucoup de choses dans ce que nous mangeons, nous buvons et ce que nous prenons comme médicaments, surtout les femmes. Il faut que Dieu guérisse ton ventre si tu as des maladies. Amen. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont des problèmes au ventre. Tu as une matrice attaquée. Ou bien une matrice malade. Combien de femmes ont ce problème de cancer de col du de l'utérus. Boni boni basi bazali na ba problème bazali ko benga lelo cancer à col à utérus. Dieu va guérir ces femmes aujourd'hui. Amen. Nzambe akobiki sa basi wana lelo. Je répète, Dieu va guérir ces femmes aujourd'hui. Na bandeli lesusu nzambe akobiki sa basi wana lelo. Quelle que soit la maladie que tu as. Atako bokononi nozana ngo. Ou les douleurs que vous avez. To ba pasi ozana ngo. Le Dieu que je sers. Zambonga nazali ko salela. Va guérir votre ventre. Akobiki salibumu nayo. Amen. Tu dormais. Ozaka kolala. Tu as fait un rêve. Olota. Tu te battais avec quelqu'un. Ozaki ko bunala. Un coup au ventre. Depuis là, tu as des douleurs au bas-ventre. Jusqu'à cet âge, tu as des douleurs que tu ne peux éviter. Le Dieu que je sers va te guérir aujourd'hui. Si tu as une matrice attaquée, ou une matrice malade, quelles que soient les maladies que tu as, maman, aujourd'hui le Dieu que je sers va te guérir. Au cas où même tu es stérile parce que c'est un problème physique que tu as, le Dieu que je sers va te guérir. Huitième type de matrice, et je termine. C'est ce que j'appelle les matrices agressées. Agressées. Ou bien les matrices violées. Vous savez, il y a des femmes qui n'ont rien fait de mal. Elles n'ont pas prémédité le mal. Elles n'ont pas vendu leur matrice. Elles ne sont pas aussi malades. Mais en tant qu'être faible, par des circonstances de la vie, dans la famille, à l'école, à l'université,
après avoir été en boîte de nuit ou dans un bar chicha, ou même avec des amis à la maison, beaucoup de femmes ont été violées. D'autres même avec les guerres et les génocides. J'ai vécu une partie de ma vie au Rwanda. Une fois, je prêchais sur les blessures intérieures. C'était au mois d'avril. Le mois le plus difficile des Rwandais. Le mois durant lequel ils pensent encore au génocide. Je me rappelle des femmes qui criaient et qui pleuraient. Une même m'a parlé parce qu'elle avait été violée. Et elle me disait, ma fille que tu vois qui est au protocole, elle n'a pas de père parce que son père là, c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu mais qui m'avait violé. Parce que mon mari était mort avant. Mes frères et sœurs, il y a des femmes dont les matrices ont été agressées. De Samuel 13, verset 14. On parle de Amnon qui avait violé sa sœur Tamar. Il a créé quelque chose. Oh, je suis malade. La sœur vient pour le nourrir. Il s'en prend à sa sœur. Il prend sa sœur de force. Et il viole sa sœur. Il ne voulut rien entendre après ça. Parce qu'il était plus fort qu'elle. Il y a beaucoup de femmes ici qui ont été violées quand elles étaient petites. Par des oncles. Par des parents. Par des cousins. Depuis là, leur matrice a été agressé. C'est devenu pour certaines des matrices malades, d'autres des matrices vendues spirituellement, d'autres après des matrices de passage. La matrice a été détruite car elle a été agressée. Mais je connais un Dieu qui a vu David coucher avec la femme d'Uri. De cette même matrice là, de cette même matrice qui a été agressée par un roi rempli de convoitises, de cette matrice est sorti Salomon. Cette matrice de Bathsheba est devenue une matrice royale. Peu importe tes blessures du passé, un homme qui a abusé de toi, plusieurs hommes qui t'ont agressé sexuellement, il y a un Dieu à la porte des cieux. Il est capable de te donner un mari et te donner des enfants qui ne seront pas indignes. Des enfants qui seront des rois et des sacrificateurs. Nous sommes dans une société où, je vous dis, plusieurs femmes ont été violées. Elles n'en parlent pas. C'est une honte. Elles ont subi des attouchements. On a couché avec elles plusieurs fois. Par la même personne. Par plusieurs personnes. Vous la voyez à l'église. Vous la voyez journaliste. Vous la voyez dans la politique. Alors qu'on a déjà abusé d'elle. Sa matrice est devenue malade. Elle a des maladies physiques. Elle a des infections compliquées. D'autres même on les a coupées des trompes parce que des hommes ont abusé d'elle. On les a coupées même des trompes. Dieu est capable de te donner un enfant même si tu n'as pas de trompes. Vous avez appris qu'il y a des femmes qui n'ont pas de matrice. Vous avez appris après opération. Gloire, c'est vrai? Gloire, est-ce à solo? Hein? Est-ce à solo?
Nous avons aussi vu des miracles. Une femme qui n'a pas d'ovaire, qui n'a pas de trompe, qui n'a pas de maternité d'un bébé dans le ventre, mais qui a été enceinte jusqu'au 9e mois. Cette semaine de Pentecôte, le Dieu que je sers, peu importe ce qu'on a enlevé dans votre ventre, qui est essentiel à la maturation du bébé, ou même à la conception du bébé. On vous a enlevé les trompes, on vous a tout enlevé. Dieu est capable de te donner un bébé et de choquer les médecins. Au point, les médecins m'ont dit, mais elle n'a pas d'utérus, elle n'a pas de trompe. Le Dieu que je sers est capable de le faire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Les bons, on va prier. Les bons, on va prier. Acclame encore bien quelque chose qui se passe. La Rabasaka. Quand je finis ce point, je sens que j'ai provoqué quelque chose. Pendant que je parlais, d'autres pensées à leur passé. Comment ils ont été violés. Avec Jésus, il y a une seconde chance. Tu as l'impression que ton corps ne sert à rien. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le lieu où Dieu a déposé des grandes richesses. Les hommes n'ont pas montré de l'importance à ton corps. Mais Dieu va donner l'importance à ton corps. Et de ton ventre vont sortir des géants. Alléluia. De ton ventre vont sortir des grands hommes. Que Dieu console toute femme qui est blessée ici, qui a été brisée émotionnellement. Elle était encore toute petite, mais on a abusé d'elle. Le Jésus que je sers est vivant, et il va le faire aujourd'hui. Lève la voix, commence à bénir Dieu pour ce pas. Quelque chose va se passer. Merci Jésus pour ce message. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci de lui avoir inspiré cette parole, Jésus. Parce que la Bible me dit, chaque parole qui vient de toi est utile pour consoler. Seigneur Dieu, je sais que cette parole, elle n'est pas venue pour réveiller les émotions négatives, mais elle est venue, Seigneur, pour donner encore de l'espoir, pour donner encore de l'espoir à ces cœurs meurtris, à ces femmes blessées, à ces femmes délaissées, à ces personnes qui ont des blessures dans le cœur, à ces femmes à qui est-ce que on a donné un héritage de matrice, Seigneur Dieu, de passage. Yes. Oh Dieu, on a y a déposé des choses dans le corps des femmes. Merci aujourd'hui, Seigneur, parce que tu nous rappelles que toi, tu es là. Tu nous rappelles, Seigneur Dieu, que même des matrices qui ont été maudites, des ventres qui ont été maudites, tu es capable de donner des rois. Tu es capable de changer les situations. Il y a des matrices de roi.
Au nom de Jésus, acclamez très fort. Je vais vous donner deux points de prière. Je veux que tu sois prêt pour la prière. Rangez bien vos affaires. Parce qu'il y aura des délivrances terribles maintenant. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des cas qu'on va suivre dans l'intercession. Mais il y a des cas, l'Esprit me dit, traite-les ici et maintenant. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Tu n'as pas entendu. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que l'assemblée est prête pour la prière? Est-ce que dehors on est prêt pour la prière? Alors, tous les responsables qui sont à la première rangée, vous allez aller dehors et vous allez être en prière sur toute l'avenue. Quand je donnerai l'ordre, vous allez commencer à imposer aux gens les mêmes pieds et les protocoles vont vous accompagner. Les autres vont rester ici avec moi ainsi que les protocoles. Écoutez, il y a des choses qui vont se passer. Ce message n'est pas que pour les femmes. Ce message et pour les hommes et pour les femmes. Si vous êtes marié, votre femme est là, imposez-lui les mains, parlez à son ventre. Si vous êtes fiancé, elle est là ou elle n'est pas là. Je n'ai pas dit impose à ta fiancée les mains. Prie déjà pour tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous n'êtes même pas encore fiancé, là où vous êtes, commencez déjà à prier. Si vous êtes un homme, priez pour votre femme. Si vous êtes femme, priez pour votre ventre. Il y a des choses qui vont se passer maintenant. Les anges sont là. Ils ont été envoyés pour la délivrance. Il y a des femmes qui ont mangé des choses, qui ont bu des choses, ou des choses sont entrées par la voie sexuelle, qui habitent dans leur ventre. Pasteur, cette nuit je voyais que je priais pour votre femme et je voyais une forte onction prophétique tomber sur elle. Je viens à peine de me rappeler de ça. Il y a un cadeau que je vais vous donner aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelque chose que j'ai. Tous vos enfants seront disciples de l'Éternel. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Les responsables vont sortir et quand va commencer le service, vous allez aller imposer aux gens les mains et prier pour eux. Priez sur toute l'avenue et priez pour les gens. Il y a des choses que Dieu veut faire. Donc, en commençant par la chorale jusqu'à l'extérieur, les anges vont faire un travail. Pasteur Daniel vient, donne-nous un point de prière sur le sujet et on va commencer à prier. On va commencer à prier. J'ai parlé de plusieurs types de matrices. Donne juste un point de prière. On va travailler dans le domaine du ventre. Même en direct, il y a des personnes qui vont vomir. Il y a des personnes qui vont aller aux toilettes. C'est aujourd'hui ou jamais. Acclame très fort, ça va commencer. Exagère un peu. Ça va commencer. Éliguer Banda. Alléluia. Acclame le Seigneur là où tu es. 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 Commence à rendre grâce à Dieu. La Bible déclare, le peuple qui habitait les ténèbres,
Ils ont vu une grande lumière. Alors joins tes deux mains pour dire à Dieu, merci pour cette lumière que tu as accordée qui me permet de comprendre les types de matrices au nom de Jésus. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains là où tu es. Commence à battre les mains là où tu es. Acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Fais cette prière après moi, dis au nom de Jésus. Augmente ta voix, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma voix. Je lève ma voix. Vers le Père de grâce. Je décrète. Je décrète. Je déclare. Je déclare. La déconnexion. La déconnexion. De ma vie. De ma vie. De toute forme de matrice. Qui influence. Qui influence. Négativement. Négativement. Mes quotidiens. Le quotidien. Au nom de. Au nom de. Jésus. Ça va les mains, nous sommes en train de prier. Acclame trois fois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un jeune homme vendu par ses frères. Il se retrouve dans un pays étranger. La Bible dit, il a épousé la fille d'un prêtre. Je suis en train de parler de Joseph. Et lorsqu'il a eu des enfants, il a donné à ses enfants le nom d'Ephraïm et de Manassé. Pour Joseph, Dieu l'a visité. Joseph avait une vision limitée, il était égoïste. Mais son père, là où il était, parce qu'il pouvait voir loin, il savait que ses enfants avaient une sémence que les dieux égyptiens pouvaient réclamer. C'est pourquoi lorsque Jacob arrive en Égypte, il prend les enfants de Joseph, il les adopte et les amène au niveau d'être ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as été maudit quelque part, si tu es sorti de matrice maudite quelque part, à cause de Jésus, à cause de l'adoption de Jésus, ton histoire est en train de changer. Ton histoire est en train de changer. Jésus nous a adoptés. Il a fait de nous des co-héritiers en Christ. Commence à déclarer à partir d'aujourd'hui la loi de Christ entre en application dans ton ventre, dans ta descendance. Commence à battre les mains, nous sommes en train de faire.
Verset 10. Écoute ce que la Bible dit. De peur que tu ne gémisses. Non, 10. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Il y a des gens ici, il y a des hommes ici, il y a des femmes ici. Chez toi, tes enfants n'arrivent pas à dormir dans de bonnes conditions. Tes enfants n'arrivent pas à bien manger. Pas parce que tu ne travailles pas suffisamment, mais parce que dans le monde spirituel, sur les autels, quelqu'un a activé l'autel qu'on appelle le sacrifice de fruits. Partout là où tu es en train de travailler, ce qui est censé venir dans tes mains passe par ses mains. Et il est en train de bénir ses enfants avec ce qui est à toi. Là où tu es, point de prière, tu vas battre les mains, tu vas déclarer, aucun étranger ne va se rassasier avec ce qui est à moi. Commence à prier au nom de Jésus. Lève la voix. Je déclare et je déclare ce matin, il n'y a aucun étranger qui va se rassasier des fruits de mes mains. Ce qui est en moi est à moi. Ce qui est pour mes enfants et pour mes enfants. À partir de ce matin, je détruis tous les hôtels des sacrifices. Je détruis tous les hôtels des récupérations. Ma sueur est pour moi. Les fruits de mon travail me revient ce matin. Tout cela qui se rassasie des fruits de mon travail ce matin, j'annule cela. Je détruis ces hôtels, je détruis ces transactions. In the mighty name of Jesus, tout cela qui récupère la vigueur de ma sueur et ne veut pas que moi je puisse bénéficier de cela. J'annule cela ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce qui est à moi est à moi. Ce
qui est à moi, est à moi. Mon héritage, c'est pour moi, mes enfants. Mon héritage, c'est pour moi, mes enfants. Mon travail, c'est pour moi, mes enfants. Mon argent, c'est pour moi, mes enfants. Plus de récupération, plus de récupération. J'annule cela au nom de Jésus. C'est qui récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne pries pas bien. Ces gens des hôtels, lorsqu'on les active, tu peux être dans un travail. Tu as fait des années. Tu as l'expertise. Tu as même formé quelqu'un. Mais lorsqu'il faut nommer un responsable, on va prendre la personne que tu as formée. On vient le déposer sous ta tête. Ce matin, je n'accepte pas ça pour toi. Si tu me donnes un amen, je vais t'aider à prier. Ce matin, je n'accepte pas ça pour toi. Tu ne peux pas travailler quelque part. Et à l'heure de la rémunération, on vient de poser quelqu'un sous ta tête. Commence à battre les mains. Dans le nom puissant de Jésus, je refuse ces hôtels actifs pour me maintenir dans la stagnation, dans la limitation, dans l'oubli. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la Bible me dit l'ouvrier mérite son salaire, la promotion. Je le mérite. Je mérite la promotion. Je mérite d'avoir des bons marchés. Je mérite d'être élevé. Je mérite d'échanger des statuts. Je mérite d'avoir beaucoup d'argent. Je mérite d'avoir la faveur. Et je refuse. Je refuse. Je refuse d'être le patin. Je refuse d'être l'objet des autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, que ces hôtels-là soient détruits. Que ces hôtels-là soient détruits. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera plus. Ma vie ne sera plus. Tu ne peux pas. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas travailler. Alléluia. Je vais bénéficier des fruits de mon pays. Je vais bénéficier de la promotion de ma nation. Je vais bénéficier de l'élévation de ma nation. Je vais bénéficier des biens de ma nation. Au nom de Jésus, les biens du Congo sont pour moi, sont pour mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame une fois. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Ce point de prière est très important. Alors que je suis en train de chuter. Et la Bible dit ceci. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Il existe des maisons dans le monde normal. Chaque maison est censée être connectée au réseau électrique et au réseau de l'eau potable. C'est ça qui fait que lorsque tu vas dans le robinet, l'eau sort. Tu vas dans l'interpréteur, il y a la lumière. Il y a des lignes de haute tension qui amènent l'électricité jusque chez toi. Il y a des tuyaux qui amènent l'eau jusque chez toi à la maison. Point de prière. Tu es en train de battre les mains.
Tu es en train d'abattre. Tu es en train de faire tomber. Tout circuit. Tu prends la bénédiction qui est de toi. Qui amène ça dans la maison de quelqu'un. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Si tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas l'eau. On vient couper, on vient déconnecter. Dans cette maison-là, il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas l'électricité. Maintenant, sois l'agent de prière pour aller couper la connexion aérienne qui amène l'étoile de ta maison vers la maison de quelqu'un. Va couper le Dieu qui amène les bénédictions de quelqu'un. Yes. Comment ça va, les mains, nous sommes en train de prier. Je suis en train de prier tous les circuits qui amènent mes bénédictions. C'est la maison de quelqu'un d'autre qui amène ma bénédiction. C'est quelqu'un d'autre qui ramène ma bénédiction. Qui ramène mon élévation. Qui amène ma richesse, ma promotion, mes connexions, mes droits. Dans la maison de quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les tuyaux, tous ces voyages, tous ces cœurs bouchés. Au nom de Jésus, tous les circuits qui ont prié, qui ont prié mon Dieu, avec la bénédiction, ne me comprenez pas, ce matin, je l'ai détruit au nom de Jésus, je l'ai détruit au nom de Jésus, je détruis tous les circuits qui désirent ma bénédiction et les amènent les chefs de mon Dieu, au nom de Jésus. Oh,
Acclame deux fois. Acclame trois fois. La Bible déclare que la guerre allant de pire en pire. D'autres versions. La guerre devenait fort entre la maison de David et la maison de Saul. Lorsqu'on parle des maisons qui bénéficient des choses qui sont à toi, il y a un homme qui est dans cette maison, responsable de cette maison. Il y a des hôtels qui soutiennent cette maison. En livrant bataille contre ta maison. Lorsqu'on parle de ta maison, on parle de toi et de ta descendance. S'il y a quelque chose sur lequel je jurerai, je mourrai sur le front pour que mes enfants et les enfants de mes enfants puissent un jour dire que papa, grand-père a ouvert une presse et nous nous sommes entrés. Même si je ne le vois pas dans mes yeux, les yeux de mes genoux, les yeux de la porte de Dieu, les yeux de mon père spirituel me donnera la victoire sur cela. Commence à battre les mains, commence à déclarer la guerre à ses maisons. Ma maison ne tombera pas. Ma maison ne tombera pas. Dans cette guerre, je ne tomberai pas. Moi et ma descendance, et à ma sienne à nous, et à ma lèse et à ma taille, et par la vie et chaque fois, je ne tomberai pas. Dans cette terre, ma maison ne tombera pas. Continue à prier. Dans cette terre, ma maison ne tombera pas. Dans cette terre, ma maison ne tombera pas. Moi et ma famille, nous ne tomberons pas. Commence à acclamer très fort. Commence à acclamer très fort. Qui sent qu'il a prié ici? Quel que soit l'état de votre matrice. Matrice maudite. Elle devient une matrice bénie. Alléluia. Matrice malade et attaquée. Toutes les femmes qui ont des problèmes de ventre, quelle que soit la raison, que le Jésus qui guérit, que le Jésus qui restaure, vous guérisse maintenant
au nom de Jésus. Amen. Toute matrice de passage que les esprits utilisent à partir de maintenant, ta matrice reçoit le feu. Amen. Ta matrice reçoit le feu. Amen. Attention. Que toutes les femmes posent les deux mains sur le ventre. À partir de maintenant, je mets le feu sur ces matrices. Que tout corps étranger, yes, tout ce qui n'a pas été semé par le Père, yes, soit déraciné. Yes. Soit déraciné. Amen. Soit déraciné. Amen. Par le feu aujourd'hui. Yes. Les pasteurs seront toute la semaine pour recevoir les gens au bureau. Je sens qu'il y a des choses que Dieu va continuer à faire. Mais je prophétise. Vos matrices sont des matrices royales. Amen. Vos matrices sont des matrices sacerdotales. Amen. Vos matrices sont des matrices bénies. Amen. Vos matrices sont des matrices passage des esprits que Dieu envoie sur la terre. Amen. À partir de maintenant. Yes. À partir de maintenant, yes, je consacre vos corps. Amen. Je consacre vos matrices. Amen. Au nom de Jésus. Toute femme enceinte. Moi, et celles qui ont les enfants, comme j'avais dit. Avancez, avancez. En tout cas, que les responsables s'organisent, pasteur Daniel, pasteur Moïse. Pasteur Danny qui va rentrer. Pasteur Paul. Pasteur Paul. Il faut des gens du lundi au vendredi cette semaine. Soyez là du matin jusqu'au soir. Pour recevoir des cas. Il y a des gens qui ont besoin de parler. Il y a des gens qui ont besoin de réagir par rapport à la parole. Après la semaine de la Pentecôte, je vais revenir sur le sujet. Vous êtes parents, emmenez les enfants. Ma fille, ça va? Sois béni. Tout va bien. Avancez. Boya liboso. Senga. Senga. Amenez les enfants. Boyana bana, boyana bana nyoso. Les femmes enceintes. Basio bazana zemi. Vous êtes en direct. Bozolanda biso nanzela singa. Vous nous suivez. Bozolanda biso. Priez avec vos enfants maintenant. Bobonde la na bana na bino sikoyo. Après la Pentecôte, on va revenir sur le sujet. Je sens que j'ai provoqué quelque chose. Cette semaine, les pasteurs seront là du lundi au vendredi. La parole d'aujourd'hui vous a touché. Le message a touché un domaine. Dans les 8 types de matrices, vous êtes même un homme. Ou une femme. Où vous êtes là, vous avez eu à violer une femme. À faire de la matrice d'une femme innocente, une femme agressée, une femme violée. Voyez les pasteurs. Nous, on ne vous portera pas plainte. Nous sommes intercesseurs et avocats. Nous allons vous accompagner. Mais il faut être délivré. Les violeurs ne sont pas impunis, même devant la justice divine. Il faut arranger devant Dieu. Karababa Sharabasa.
Commencez à prier pour les enfants. Parlez sur les enfants. Déclarez sur les enfants. Parle sur ton fils. Parle sur ta fille. Toutes les femmes enceintes. Vous êtes parents, vous avez vos enfants, bénissez-les. Impose les mains à ton fils. Impose les mains à ta fille. Si vos enfants ne sont pas là, prenez même les téléphones. Sortez leurs photos. Soulevez le téléphone. Nous sommes dans la délivrance génétique. Nous allons dans les gènes. Nous allons là où sont les bébés. Nous allons à l'origine de la vie. Nous allons là où tout a commencé. Afin de tout rectifier. Là où tout a commencé. Afin de tout réajuster. Là où tout a commencé. Afin de tout fixé. Avant que je ne prie, parents, parle. Parle sur ton ventre. Parle sur tes enfants. Parle sur tes petits-enfants. Parle. Loba. Béni. Pambola. Parle. Loba. Béni. Pambola. Prophétise. Banako sakola. Parle. Loba. Déclare. Banako loba maloba. Parle à ton éternus. Parle à ton ventre. Parle. Quelque chose se passe. Jamais la queue, vous serez la tête et non la queue. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, vous êtes la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, tout ce que vous entreprendrez, mes enfants, ira de l'avant. On parlera de vous dans le nom de Jésus. Vous êtes la clé du développement de cette nation. Vous êtes la clé du développement de cette nation. Par vous, la nation congolaise va se relever. Par vous, la nation congolaise sera. Une minute. Continue à prier 60 secondes. Parle. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez très fort. Levez les téléphones avec les photos. Et ceux qui ont les enfants ici. Je m'appelle Joël Francis.
et je me tiens devant l'Éternel. Je lève ma main droite et je prie dans le nom de celui qui est assis sur, dans les lieux élevés, qui est établi sur le cercle de la terre, celui qui s'appelle El Elyon, celui qui s'appelle El Olam, celui qui s'appelle El Shaddai. Aujourd'hui, Lelo, je décrète et déclare que tous ces enfants qui sont loin, que vous montrez à Dieu au travers des téléphones et des photos, ces enfants qui sont ici, que vous avez présentés devant l'autel, ces enfants qui sont actuellement dans vos ventres, car vous êtes enceinte ou votre femme l'est, à partir de maintenant, ces enfants sont consacrés. Ces enfants sont réservés. Ces enfants sont immunisés contre la sorcellerie. Immunisés contre les maladies. Je condamne vos enfants à réussir. Je condamne vos enfants à avoir du succès. Je condamne vos enfants à servir Dieu. Je condamne vos enfants à être les premiers, jamais les derniers, à être devant, jamais derrière, à être en haut, jamais en bas, à être plus haut, jamais plus bas. Je mets sur vos enfants la bénédiction de Dieu. Et je parle sur vos ventres et vos matrices. Tous ceux qui sont déjà sortis ou qui vont sortir seront des rois, des reines, des prêtres et des prêtresses. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, aucun de vos enfants ne va mourir cette année. Amen. Amen. Aucune des grossesses pour lesquelles j'ai prié ne passera par une fausse couche. Amen. Amen. Toutes les femmes enceintes ici, je mets sur vous la marque qui interdit les césariennes. Je parle aujourd'hui sur l'autel. À vous spécialement, il n'y aura pas de césarienne. Vous allez accoucher par voie basse en bénissant l'Éternel. Amen. 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 C'est fait. Et salami. Alléluia, Seigneur. L'Esprit était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. Tu viens de Massina. Out Massina. Quartier 3. Quartier 3. Avenue Ngungu. Numéro 8. Et ton nom, c'est le nom d'une planète, Saturne. Saturne. Oui. Viens. Bon, ça c'était cadeau avant de partir. Viens. Acclamez bien. Can I prophesy? Prophesy. Bon, bien. Ça va? Nous sommes à l'âme. Vous allez bien? Nous sommes à l'âme. Wanji. Wanji. Je ne l'ai pas été là. Wanji, c'est un chef. Vous allez bien? Vous êtes malade. Ça prend fois de venir ici.
Première fois. Oui. Qui vous a invité? Je vous ai suivi à la télé. Il faut que j'arrive ici. Et vous me cherchez. Oui. Je vous ai trouvé. Je vous ai vu. Ne vous en faites pas. Mettez-vous. Ça va? Vous êtes malade. L'Esprit de Dieu m'a dit 13e rangée, 3e personne. 13e rangée, mon ami Satou. Saturne. C'est toi. Ezayo. Est-ce que c'est toi? Boni Ezayo. On dit t'amène bien. Bolo Bamène Malamo. C'est toi Saturne. Yonde Saturne. C'est moi Saturne. Sobit, quartier 3. Quartier 3. Massina. Massina. Exactement. Ngungu. 8. 8. C'est toi. Ezayo. Ok. Je vais t'aider par rapport à votre famille. Mais tu as l'appel. Mon fils Moïse, lève-toi. Essaye de le coller un peu. Hein. Il est plus occupé que moi dans cette église. C'est vrai en plus. Hein. Il est plus occupé que nous tous. Viens. Pasta. Mon fils, Ouzolata. Tu t'habilles, c'est mon argent. C'est mon argent que tu gaspilles ou comment? Bah bijoux, osa bah chaînettes, des chaînettes, des bracelets. Tola tabilamba, escroc. Pastora les eaux foutent, hein. Je me rappelle le jour où j'ai prophétisé pour lui la première fois. Si vous vous rappelez, il était informe et vite. Maintenant, c'était my aspect. Ma lunette, ma lunette. Un rema, t'as la moutonne. Pasta. Mon batteri pâté. Ma voiture, ma mbongo. Mitukabu. Ma mbongo. M'appelle parce que je suis Martinique, Guadeloupe, France. Il y a des appels qui viennent de partout. My son. Mon fils. Non, je t'aime trop, toi. Il y a des gens qui sont en train de faire jalousie dans l'église. Keto, dans la carte de Tonga. Colle-le, hein. Colle-le, il va t'aider. Kangamana ya osunga. Cette semaine, en tout cas. Tous les jours, il y aura une permanence ici. Prêcher comme ça, des fois, Dieu résout des problèmes pour certains sur place. D'autres, ça provoque au fait le problème parce que tu penses à des choses, tu te retrouves dans l'un des groupes que j'ai cités ici par rapport aux matrices. Trouve un des pasteurs, ouvre ton cœur, parle. Ils sont là pour toi. Côté à boire, coquille copé sa bia, non, kaka na etonga ka seza na makamusu soupe, nazali kotumo la na mater, mutazali ko banza makamunae, luka bapateli, bapateli pate. Au pasteur Paul, vous n'allez jamais entendre ça à l'église. Il est marié, il est très très discret. Pasteur Moïse, vous n'entendrez pas ça. Lui, il est de Libenge. Et à outi Libenge, bosso la na bango bokoyoka makambuana te na kati na etonga. Moi na Libenge. A outi na Libenge. Il n'est pas dans vos histoires de quinois. Les pasteurs sont là, ils vont vraiment vous écouter. Alors, dans votre famille, vous avez besoin d'aide. J'entends un nom comme Kulenduka. C'est qui? C'est Zana. Famille. Kulenduka. Oui, c'est mon nom. Kulenduka, ton nom. Ezanga. Tu es Kulenduka Saturne. Oza Kulenduka Saturne. Hier dans la chambre, hier, je t'ai dit qu'il y a deux personnes. Dans une prophétie, il y aura deux prénoms. Il y aura le prénom Luc et Marie. Tu te rappelles? Luc et Marie. Luc c'est son père, Marie c'est sa mère. Luc ezali tata nae, Marie eza mama nae. Ton papa c'est qui? Papa no kombo nani? Luc. Luc. Kulenduka. Et maman? Maman nayo. Ma Marie. Maman Marie. Abo Tabino 8. 4 garçons. 4 garçons. Vous avez les Eliane, les Alain, les Yolande. Eliane, Alain, Yolande. Les Nénettes. Nénette, les Rigen. Rigen. Lionel. Le premier là. Lionel. Hein? Lionel. Lionel. C'est Lionel. Oui. Lionel.
Vous êtes à 8. Bobotami 8. Ok, bon, maintenant je commence. C'est qu'on a bandi. Avance, prophète. Je t'apprends la prophétie. Nazali kola ki saobi sa. Toi tu connais seulement chanter. Je t'apprends. Yo koyemba nazali kota li saobi. My father, my father. Yo ba papa nanga eh. Faut commencer. Toi tu vas commencer à prophétiser comme ça. Oh robana ko sakola kaka bo. Oh, dit amen. Amen. Donc quand je te parle, faut femme soyez soumise, faut écouter. Nata na zolo bana moi si. J'ai vu Luc et Marie, c'était comme ça. Na loba ki na moni Luc et Marie. Alors que c'est la prophétie de quelqu'un. Tu es prête? Ça va? Bon, il y a beaucoup de problèmes dans votre famille. Il va prier avec toi. Mais je vois Leila Basova. Papa n'est plus. Ça fait 7 ans. Sept ans. 2015. Janvier 2015. Mm-hmm. 22 là. Maman Marie. Ça m'attriste à porter les enfants, mais il y a deux qui ne sont plus. Et il y a deux qui ont disparu. Je vois comme les deux premiers. Vous savez, 11 ans. Et ça, les 11 ans. 11 ans. 11 ans. Il n'y a plus de rapport avec vous. Ils ont comme disparu comme ça. Oui. C'est ça? Eza bongo. Nénette n'est plus. Nénette a sauté. Qui est morte l'année passée? Naninde akufa kimbule uti oleka. Nénette. Mon esprit la voit, elle est morte en Angola. Moli monange moni akufi na Angola. Je vois Bernil. Na umona Berning. Je vois Elie et Élisée. Elie et na Élisée. On dirait Bamapasa. Elle a laissé trois enfants. Est-ce que c'est vrai? Eza bongo. Ils sont avec maman, mais c'est une famille vraiment. Imaginez-vous, Bayan Amnoumi Balé, Boumouna Bongo Souté. 11 ans. Imaginez-vous, deux de vos frères, de vos soeurs, vous ne vous voyez plus depuis 11 ans. Et Baébi, très bien que Eza Moutoua famille, tante Moutaboumaye. Et vous savez bien que c'est quelqu'un de la famille, une tante qui est derrière ça. Et ils le savent très bien. Elle a laissé des enfants, des jumeaux. En Angola. Donc bon, bazana Massina, mais rapport à la famille, ils habitent à Massina, mais il n'y a plus de lien avec la famille de ceux-là qui ont disparu. La grande sœur est décédée. Et il y a même quelqu'un, un autre de frère Rigen? Rigen, qui est mort bien avant. J'aime ce que Dieu me dit. Il ne s'appelle pas que Saturne. Il s'appelle Joseph. Joseph, alléluia. Est-ce que c'est vrai? Qui s'appelle Joseph? Joseph? Tu es le Joseph de ta famille. Au milieu d'une famille à problème dans la sorcellerie. Tu es l'espoir de ta famille. Comme signe. Tu es arrivé à l'église à 6h50. 6h50, il était à l'église. 6h50 à Zalaki. Tout a été difficile dans ta vie. Papa est mort. Papa Akufa. Rigen est mort. Rigen Akufa. Longtemps en tout cas. Eleki Mikolo. Va bientôt faire comme 10 ans. Bientôt. C'est ça? Eza Bongo. 2012. Mort. Vous voyez comment Satan peut ravager une famille. Mais tu es Joseph.
Tu es une plante qui sort d'une terre desséchée. Ozali kona ozali kobimana kati na mabele ka. Je parle à quelqu'un ici. Nazolo bana mutu awa. Dans toutes les familles. Na mabota nyoso. Il y a toujours un sauveur. Ezala kaka na mobiki simoko amen. Tu es le sauveur de ta famille. Yo oza mobiki si alibota na amen. Peu importe ce par quoi vous êtes passé. Ata kobino bolekela kinini. Quand tu viens à l'église. Na tango zoya na etonga. Très tôt le matin. Na tongo makasi. Le culte n'a pas encore commencé. Mayanga nina ne bandite. Tu sais quoi, dans la vision, je vois même ton pantalon. Avec des petits carrés comme ça. Moni c'est là-bas comment on a pantalon on est allé qui n'a pas carré miké miké miké. Quand j'étais là je disais 13e. Nathan on a zaki on a zaki on a 13e. Même le pantalon comme ça. Voilà type pantalon. Comme blanc avec des petits. Donc quoi même quand c'est ça miké 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 miké. Dieu te connaît avec des détails. Zambe ayebi on a bateta nyonso. C'est l'âme que tu as coulée. C'est la dernière fois que tu l'écoutes. La prochaine fois que tu vas pleurer, ça va être des pleurs de joie. Parce que le Dieu de la porte des cieux est venu pour te consoler. Tu vas aller loin dans les études et tu vas servir Dieu. Je vois un appel de Dieu sur toi. Parce que je vois une lumière à Massina. Sur l'avenue Ngungu, quartier 3. Il y a une lumière dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ. Sois consolé. Toute personne qui pleure ici, quelqu'un de sa famille. Qui est venu mais qui pleure dans son âme. Que mon Dieu vous console. Que mon Dieu essuie vos larmes. Et que mon Dieu vous donne la paix. Tu pries où avant? Avant tu allais la prière où? Combat spirituel. C'est depuis quand que tu viens ici? Tout à mon connu, non, comment il y a. Pourquoi tu pleures? Pour nous isoler. Les choses horribles. Les choses horribles qui se passent dans la famille. Très horribles. Et les excites. Les Seigneur, les hommes aussi. Des choses bizarres qui se passent dans la famille. Très bizarre parce que pour l'instant on est dispersé. C'est la maman, la sœur qui était comme le pilier, le baobab. L'année passée, Nénette. C'est une femme qui se battait comme ça dans les affaires. Elle envoyait l'argent, elle faisait tout. C'est elle qui avait remplacé papa. Il y a Nénette. Elle est partie trop jeune. Accueilli Elenge Makas. Est-ce que tu étudies? Bonjour Tangaka. Tu es gradué? Za gradué. Tu es gradué où? Wapi. Yese. Na Yese. Matin, soir. Tongo toi pourquoi? Yese jour. Yap oui. Jour. Tu vas continuer ou tu continues déjà? Vous allez coco. Pourquoi? Coco, bah, pour Nini. Plus de moyens. Il n'y a plus de moyens. Bon, vous allez se sauter. Qui paye les études? Non, il y a Zako Fouta Kélas. Il y a Nénette. C'est elle qui paye aussi les loyers pour la maison. Il y a Moutazaki Kofuta Koutundako. Maintenant, là, vous savez même pas là où vous allez aller. Tu crois qu'on a besoin de Koutouté Bokovanda, Wapi Bokende Wapi? Parce que tu es à la porte des cieux. Alléluia. Parce que parmi tous ces gens, Dieu t'a localisé. Depuis hier, il me parlait de ton papa Luc. Et de ta mère Marie. Imagine, on n'était pas encore aujourd'hui que je te voyais hier. À la maison. Alors que j'écrivais mon message. Ça veut dire que Dieu te connaît. Mon fils, occupe-toi bien de lui. C'est ton frère, c'est un enfant de la maison. Et on verra qu'est-ce qu'on va faire. Nénette est morte, mais Dieu est vivant. Alléluia. Nénette a kufa kasinzamba zana bomoi.
Ton père n'est plus, mais Dieu est vivant. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime énormément. Et qu'après ce culte, tu seras surpris. Des gens qui vont se lever et prendre en charge tes études. Jusqu'à la fin. Papa, vous croyez en moi? Papa, vous croyez que je suis prophète? Excusez-moi, est-ce que vous croyez que je suis prophète? Pas forcément tout. Même en partie. Faites quelque chose pour ce jeune homme. Il y a quelque chose de grand qui veut s'ouvrir. Je ne sais pas. J'ai suspendu la prophétie pour venir ici. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, rentre chez lui. Je ne dis pas prenez en charge ses études. Même quelque chose. Faites quelque chose pour cet orphelin de père. Et dont la grande sœur était comme leur papa. C'est comme le frère académique l'année. Donc là, tu commences ta première licence, c'est ça? L'année, tu as commencé? Ici, si Bandi. Oui, l'inscription s'est faite déjà. L'année, c'est combien? Année, Zalib, combien? 500-550. Oui. L'an? Les frais? Oui, les frais. L'année? L'année, ça doit 850. Dans les 850. Un des responsables même pourra vous accompagner. Je ne dis pas tout, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Même substantiellement. Faites quelque chose pour lui. C'est un orphelin. Dieu va faire quelque chose pour vous. Je ne vous ai pas demandé l'argent pour moi. Oh, donne-moi l'offrande. Faites quelque chose pour lui. Il a un bon cœur comme son père. Il a un bon cœur. Et il mérite qu'on le soutienne. Je n'aime pas le nom de Saturne. Tu dois enlever ça. Ok. Parce que tu ne sauras pas combattre contre les esprits qu'il y a dans les entités qu'il y a dans les astres. Joseph vient d'où? Joseph est où? Il vient chez Yannet. C'est Yannet. Yannet. Qui t'a appelé Joseph? Pourquoi? Joseph. Pourquoi? Quand tu étais né ou bien après? Après. Donc ta grande sœur t'a appelé Joseph. Pourquoi elle t'a appelé Joseph? Je suis la première personne à franchir l'université dans la famille. Alléluia. Alléluia. Yannet l'a appelé Joseph parce que dans toute la famille, il est la première personne à faire l'université. Donc il faut qu'on brise ceci, il faut qu'il aille jusqu'à la fin, il finit la licence, il finit. À partir maintenant de lui, tous les autres vont aussi finir les études. Alléluia, c'est un Pardon. Venez me donner l'argent. Pardon. Pour Joseph. $10, 20, 10 dollars, 40, 50, 100, 200, 300. Venez. Et puis je clôture la prière, je vous libère. Pasteur Daniel va l'accompagner. Pasteur Daniel est à Kosungaye. Pasteur Daniel, tu peux venir s'il te plaît. Pasteur Daniel, Oroki Koya. Comme ça. Comme c'est l'argent de l'église, il faut qu'il y ait un document qui atteste. Tu as $100, $200, $150, $300. Même en direct. Ça, ce n'est pas notre argent. On ne le fait pas parce qu'il est pauvre. Non. Ou parce qu'on en a beaucoup. Même si vous êtes à l'extérieur, vous ne voyez pas Joseph. Mais son histoire vous a touché. Venez, ma fille vient. Yaka moi, nanga moi si yaka. Venez. Yaka. Avec
votre argent. Tu as 100 dollars, tu ne feras rien avec. Tu vas dépenser ça pour rien. Viens, dépose dans ma main. Recule un peu, s'il vous plaît. Avancez. Ce n'est pas pour moi. Vous avez 100 dollars, 50, 20, 100 dollars, 50, 20, 10, 200. Viens, ma fille. Soyez bénis. Avancez. Ça ne va pas tout résoudre, mais c'est un signe prophétique. Qui montre qu'un jour tu ne t'y attendais pas, Dieu t'a visité. Est-ce qu'on peut avancer? Viens. Tu as un 100 dollars là, donc caneliango pour faire quelque chose. Osana 100 dollars, moko, tu veux faire quelque mon chose. Mon Dieu avec. Te le demande, viens. Tu as un 20, un 50 dollars, Osana un 100, 20 dollars, un 100, 200, viens. 200, yaka. Tu as un 20 dollars, un 10. Osana 20 même dollars, en direct. Osana 10 nous le faisons pour Joseph. Joseph. Si tu le fais pour les enfants des autres, Dieu le fera pour tes enfants. Aussi. Le Saint-Esprit est merveilleux. Avancez, s'il vous plaît. Ma fille, commence à compter déjà. Merci. Merci. Maman Dubaï. Maman Dubaï. Vous comprenez les Kamnalobi? Reçois bon cela, voyage. C'est pour toi et bon voyage. Merci, chef. Attends. Ah, ok. Ok. Exagère encore, Seigneur. Bon, enveloppe à Boya Kaki. Ces genres d'enveloppe de couleur kaki. Désolé, comptez déjà, comptez. Commencez déjà à compter. Merci, maman. M'attendez, maman. En tout cas, excusez-moi de vous retenir jusque maintenant, maman. Ça va bien? Tu vas bien, maman? Maman, Bika qui va boire quelqu'un malade en PC. On l'avait jeté un bon vaisseau de maladie. Tout va bien, maman. Toi qui prends Joseph, maman, pardon. Hein, pardon, toi aussi, ça non, Joseph. On puisse merci, finir maman. Avec merci. Le cas de Joseph, s'il te plaît. C'est tout ce que tu avais. Mais tu veux dire qu'il y a un PC, pas en bois, maman. Il y a des gens qui vont rentrer à pied aujourd'hui. Dans une minute, j'ai terminé. Maître dit, j'étais chercher ici mon fils pour danser. Où étais-tu? Non, mais quand papa t'appelle pour danser, il faut danser. Merci beaucoup, merci vraiment. Merci, merci vraiment. Si j'avais, j'allais donner, mais... Je n'en ai pas. Pasteur Daniel, il est où? Pasteur Daniel, Ozawapi. Chasse les démons. Ah, oh, ben, mille... Dis papa, dis qu'ils viennent d'abord. Et puis c'est papa, l'obé à Yananou. Merci beaucoup, merci. Point de prière. La dernière personne. On t'a souka. Oya zoya ya souka. La dernière personne qui vient. Azo zwali pamboli moko. Elle va recevoir une de ses bénédictions. Yaka. Bien. Pas Orange Money. Ah ok. Qui veut l'envoyer par les transferts mobiles? Nani alinga tindango nzela ba transfert nzela singa. Christian, tu vas gérer avec maman s'il te plaît. Christian yo kosa lango na maman. Ma fille, comment ça va? Ma fille, moi, nanga moi, si vous êtes malade. Le travail? Ah, vos yeux pèsent beaucoup bon. Ah, ma fille, mon ami Moussa là, au Luka qui aux ouïes. Je cherchais du travail. Tu as trouvé. Maintenant, tu as fait merci papa. Beaucoup. Merci. En tout cas, si vous pèsez raté les nakam. Sonia, si tu n'avais pas donné ça, tu fais beaucoup de bien. Pambola moi. Sois béni. On termine ici. Merci. Merci. On acclame très fort. Miss. Miss. Bon, abapani. Bon, maman, putain. Ok. Ah, pour tout le monde, la paix s'est rappelée.
Les protocoles donnent aussi. Quand même pour les protocoles. Tu as la protocole, ma boko makasi. Un jour, un pasteur disait, aujourd'hui, tu dois donner à Dieu quelque chose que tu n'as jamais donné. Il faut que tu fasses quelque chose qui va choquer Dieu. Quelqu'un est entré dans les paniers des offrandes. Aujourd'hui, Dieu va me voir. Je me donne. $50. Pasteur, il y a porte des cieux. Pasteur Mongo. 50. Ça fait longtemps que tu m'as donné de l'argent, mon fils. Merci. On acclame très fort. Balancez les mains. Je crois que Dieu a voulu nous bénir par lui. Je crois que Dieu a voulu nous bénir à la clôture de cette prière. Par lui. On va lui remettre l'argent. Vous voulez envoyer par transfert, vous allez voir Papa Christian. Il ne va pas pouvoir à tous tes besoins. Mais c'est l'argent de l'église. C'est l'argent de notre sueur. Ça va faire la différence. Cet argent va appeler beaucoup d'autres montants. Amen. Vous n'allez pas manquer là où habiter et la prise en charge pour les études. Amen. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Kangama makasi na Yesu. Attache-toi à Jésus. Kangama na Yesu. Les comas de la famille sont terribles. Bitumba libota ezali makasi. Mais la victoire est assurée. Kasi elonga esi epesamela yo. Je te bénis. Na pambolio. Que le Dieu des orphelins. Que te nzambe ba oba kufela baboti. Le défenseur des veuves. Oh ezali ko batela ba oba kufela mibali. Sois avec toi. Azala na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. On acclame très fort. Ça va aller. Tu es un homme. Nous Jésus avons est là. Ça va aller. Yesu aza. Vous comptez? Ali kotanga mbongo. Est-ce qu'on dirait qu'on a des réactions? Boni nanzela bazali batu bazali kotinda. Sur Telegram ou en direct. Na Telegram ton anzela singa. Tu es notre bénédiction. Ozali pamboli na biso. Ce que nous faisons, c'est pour notre, on est heureux de le faire. Oui, otozali kosala tozo sala ngo na esengo. C'est une grande bénédiction pour nous. Ezali lipamboli monene po na biso. Ma fille. Moi na nga mwasi. Aide maman Julie. Boya ko sunga. Mets-toi. Banda, Nico Joseph. Qui sont venus pour la première fois à la porte des cieux? Banani baye pour na bangomba la yambo. Ah, on a bikuka balola. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend.